Je suis avec deux amis associés et franchisés dans cet ordre. Sylvain, bonjour. Bonjour. Pascal, bonjour. Bonjour. Pourquoi avoir choisi la boucherie? Parce que mon grand-père parlait le louchébem. D'accord. Je me souviens la première fois où j'ai mangé dans un restaurant à la boucherie, réentendre ce langage-là et l'ambiance m'a beaucoup plu. Donc, Et vous la retrouvez dans les restaurants? Et on la retrouve aujourd'hui dans les restaurants. On essaye de le faire perdurer. Et est-ce que vous pouvez me parler un petit peu de la carte? Qu'est-ce que vous proposez comme plat? Ça va des salades, une belle carte de spécialité uniquement viande maturée, ce qui est très important aujourd'hui par rapport à la qualité, et des morceaux qu'on ne retrouve pas nécessairement ailleurs ou en grande surface. D'accord. Je crois qu'aujourd'hui, on a une gamme de produits qui nous permet d'attirer une clientèle assez large. D'accord. On a toujours un plat de poisson. On propose aussi sur les burgers, les steaks de soja. On a une carte réduite qui est adaptée à la taille de notre restaurant. C'est 90 places assises. D'accord. On n'a pas tous les plats, et ce qui nous permet une gestion plus facile au niveau des stocks et des rotations au quotidien. Deux fois par an, la carte est changée. D'accord. Elle est adaptée à la saison. Donc, l'hiver, le pot-au-feu, les rognons. Mm-hmm. Et l'été, on va plus être sur des carpaccio, des salades. J'ai l'impression qu'il y a du bruit en cuisine, on va manger. Avec grand plaisir. Ça vous branche? Un petit mot en louchébem quand même. Un petit mot. Merci Mess pour votre lentille SGM. Ah, c'est gentil ça. Et bon appétit comme on le dit. Lombem, appétit muche. Magnifique.